Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente les réactions d'après-match. D'abord de la déception parce que la prestation qu'on a livrée en deuxième mi-temps, elle est forte. Elle nous montre qu'on est capable d'aller de l'avant, on est capable de se créer pas mal de situations. Puis après, c'est vrai qu'on manque d'efficacité, mais si on prend au niveau des stats, quand on a eu pratiquement aucune occasion, des frappes de loin, et puis surtout ils ont obtenu zéro corner, on a concédé zéro corner, donc ça veut dire que... Et nous par contre, on a poussé, mais on a manqué de justesse, soit dans la dernière passe, et puis surtout Johan, donc n'a pas mis les occasions qu'il a eues, mais bon, c'est le propre des attaquants. Aujourd'hui, il manque de réussite, il faudra qu'il soit costaud pour les prochains matchs, c'est capable de nous faire gagner. Donc, mais c'est vrai que c'est de la déception qui prédomine aujourd'hui. C'était important de prendre un point ce soir, parce qu'on restait sur deux défaites, il fallait qu'on se rassure. On a été solide, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas rentré, mais c'est bien de se les procurer. Ça prouve qu'on produit du jeu. On a retrouvé la confiance et on a retrouvé un peu le rythme qu'on avait sur ce début de saison. On a balayé cette première mi-temps déviant qui n'était pas bonne. Voilà, c'est les ingrédients qu'il faudra mettre à toutes les rencontres pour pouvoir prendre des points. Et je pense qu'on a fait un bon match défensivement, on a préservé notre but, et on ne leur a pas laissé, ils ne se sont pas procurés d'occasion pratiquement. Et puis après, nous, je pense qu'on a deux, trois très bonnes situations où on peut la mettre au fond. Voilà, on va essayer de travailler un peu plus devant le but, mais c'est bien, on repart du bon pied, je pense. C'est toujours pour un défenseur une grosse satisfaction de ne pas prendre de but. On réussit à laisser aussi peu d'occasions à l'adversaire. Parce que des fois, on ne prend pas de but, mais on a un peu de chance. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour laisser peu d'espace, surtout à cette belle attaque de Caen, parce qu'il y avait des joueurs en grande forme en face de nous. Et c'est bien, il faudra s'appuyer sur ça pour la suite. On sait que quand on ne prend pas beaucoup de buts, on peut voyager. Donc voilà, je pense qu'il faut garder cette assise-là et après essayer de concrétiser nos occasions parce qu'on en a pratiquement à chaque match. Ah, pour moi c'est pas assez parce que voilà, on a été très solide, comme je l'ai dit, Rudy Rio a passé un après-midi tranquille et puis surtout on s'est procuré beaucoup d'occasions, donc là il faut être capable d'être tueur, c'est ce qu'on n'a pas été aujourd'hui. Maintenant forcément qu'on avance par rapport aux deux derniers matchs ici, c'était très serré, que ce soit contre Guingamp et Saint-Etienne, on avait perdu. Donc là, c'est bien, on prend un point, on ne prend pas de but. Mais je reste malgré tout déçu parce que, très honnêtement, il y avait la place pour gagner. Et on l'a démontré à travers le jeu, à travers les occasions. Mais il faut que ça nous serve de leçon pour le prochain match avec le déplacement à Rennes, être capable de rentrer avec les trois points, voilà, même si on sait que ça va être compliqué parce que c'est un adversaire qui est aujourd'hui en difficulté aussi.